Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la découverte des études et des métiers liés à l'architecture. Alors, je suis Christelle Piran, en charge d'aide à l'orientation chez France Université Numérique. Et ce webinaire s'inscrit justement dans le cadre du MOOC S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie diffusé sur FUN. Certains connaissent déjà la plateforme FUN et ce MOOC, dans lequel vous trouverez énormément d'informations liées à l'architecture. Alors, ce webinaire est aujourd'hui animé par Élise Macaire, maîtresse de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, ainsi que Véronique Biot, enseignante-chercheuse également à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette. Aujourd'hui, vous allez pouvoir interagir avec nos intervenantes, poser des questions via le chat, et deux modérateurs sont justement là aujourd'hui pour recueillir toutes vos questions, Nancy et Wendy. Oui, alors moi, c'est Nancy Acquignon, je suis chargée de communication pour France Université Numérique. Bonjour, je suis Wendy Radegon, chargée de support, et je vais modérer ce chat avec Nancy. Avant de commencer, nous allons vous demander de répondre à un petit sondage qui va nous permettre de savoir justement si vous êtes lycéen, parents d'élèves, salariés ou encore étudiants. Alors, pour cela, il faut cliquer sur l'onglet sondage situé en bas à droite de votre écran. À la fin de ce webinaire, vous retrouverez par mail, vous allez recevoir un mail très complet hein, avec le replay, donc la vidéo replay de cet événement, et ainsi que tous les liens qui vont vous permettre de vous inscrire à la plateforme FUN, ainsi qu'au MOOC si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenantes qui vont animer ce webinaire durant 50 minutes environ. Oui, bonjour à tous. Donc, alors effectivement, on va passer un petit peu de temps ensemble. D'abord, pour vous présenter ce MOOC, vous donner les grandes lignes de ce que vous allez y trouver ou ce que vous peut-être vous rappeler ce que vous y avez trouvé dans la consultation que vous avez pu en faire. Et puis surtout, on consacrera une demi-heure, on espère avoir une bonne demi-heure, à vos questions, de manière à vous donner des réponses personnalisées. Je voudrais tout de suite vous rappeler que le MOOC est associé à un forum écrit hein, dans lequel vous pouvez aussi poser vos questions par écrit. Si jamais on n'a pas pu prendre votre question pendant cette heure-ci, vous pourrez toujours soit consulter les questions-réponses qui ont déjà été faites dans le forum, soit poser la vôtre et on essaiera d'y répondre au plus vite. Donc, en fait, il s'agit pour nous de vous présenter peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas très bien, qui sont les métiers de l'architecture dans toute leur diversité et les études qui conduisent au diplôme d'architecte. Donc, on va peut-être regarder plus loin. La diapo d'après, en commençant peut-être par vous rappeler ce que c'est qu'un MOOC. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces supports pédagogiques. Donc, un MOOC, c'est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous. La plateforme FunMOOC est une plateforme publique dans laquelle vous allez trouver des vidéos souvent courtes. Hein, on essaye de les compacter dans un format de quelques minutes. Alors, des exercices, dans notre cas, il n'y en a pas. Hein. Dans le cas des MOOC d'orientation, en principe, il n'y a pas de validation, donc il n'y a pas d'attestation de suivi, il n'y a pas d'exercice non plus, essentiellement des informations. Donc, vous avez ce forum dont je viens de vous parler, cette animation en ligne qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous pourrez consulter le MOOC dans l'ordre qui vous intéressera, les vidéos qui vous intéressent, vous pouvez choisir, vous pouvez les regarder à tout moment. Jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et donc, vous trouverez dans ces MOOC d'orientation celui dont on va parler aujourd'hui, mais tout un tas d'autres MOOC d'orientation sur d'autres filières, d'autres métiers, d'autres voies de formation. Alors, le nôtre s'appelle S'engager dans l'architecture de notre cadre de vie, et donc il porte sur les enseignements que les écoles d'architecture vous proposent. Vous voyez que l'une et l'autre, nous sommes enseignantes à l'école de la Villette, mais ce que l'on dit convient en fait pour toutes les écoles d'architecture de France. Donc vous avez ici les dates de diffusion de ce MOOC, et on sait que parmi vous, il y a des personnes différentes. Il y a à la fois des lycéens en seconde, première, terminale, il y a des personnes qui ont déjà engagé des études supérieures, il y a des gens qui sont en conversion, et donc on a essayé de rendre les informations accessibles à vous tous selon le profil qui est le vôtre.
Donc le MOOC sur les métiers de l'architecture se compose de 25 vidéos, vous voyez courtes, hein, de 3 à 9 minutes chacune, et aussi d'une documentation. Donc on a joint à l'ensemble du MOOC et quelquefois dans certaines vidéos aussi, des documents que vous pourrez télécharger en PDF et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous souhaiterez au moment où vous le souhaiterez. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail des contenus de ce MOOC, on l'a composé en fait de 3 grandes sections. Il y a une section qui aborde les fondamentaux, donc, dans lesquels on a essayé dans les 6 vidéos de cette section de balayer un petit peu les questions qui peuvent intéresser la plupart d'entre vous, avec l'idée de se dire que ceux qui seraient intéressés, captivés en fait par ce qu'ils auront vu dans cette première ensemble de vidéos pourront approfondir sur les études ou approfondir sur les métiers. Donc sur les études en architecture, on a essayé de trouver des interlocuteurs, des enseignants qui vous parlent chacun de leur enseignement. On voit des travaux d'étudiants et ils vous parlent un petit peu de ce qu'ils attendent en fait des étudiants dans leur matière. Vous voyez tout de suite sur la diapo la diversité des enseignements que l'on propose en école d'architecture, avec un enseignement du projet qui est bien sûr central, et beaucoup d'autres enseignements de nature très différente, culture architecturale, dans lesquelles il y a notamment de l'histoire, l'enseignement des arts visuels qui servent à la représentation, l'enseignement du numérique, l'enseignement des sciences et techniques, les sciences de l'homme et du territoire. Il y a à la fois donc des matières scientifiques et des matières plutôt sciences humaines, des matières théoriques et des matières plus pratiques. Et dans la section qui suit, donc l'approfondissement sur les métiers, notre idée, ça a été de vous donner des images d'architectes travaillant dans des domaines auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Donc, on a commencé quand même par le cœur de métier qui est la pratique en agence d'architecture. Et puis, on est allé voir des architectes qui pratiquent de manière un peu particulière à l'international, dans l'humanitaire, dans la participation, le patrimoine, etc. Bien sûr, il y aurait un ensemble encore beaucoup plus important de positions d'architectes à définir, mais voilà, on est allé voir ces architectes le plus souvent dans leur lieu de travail, de manière à vous donner des images assez précises de ce que c'est qu'être architecte au quotidien. Alors bonjour à tous, je prends la suite de la présentation. Alors nous avons en France un certain nombre d'écoles d'architecture, elles sont au nombre de 22 et auxquelles on peut ajouter une école privée qui est l'école spéciale d'architecture et l'INSA de Strasbourg qui est une école d'ingénieurs qui forme aussi des architectes. Donc vous voyez, ces écoles sont réparties sur le territoire national. Il y en a un plus grand nombre en région parisienne, mais voilà, elles sont situées aussi bien à l'ouest de la France qu'à l'est. Et en fonction de là où vous êtes, vous pouvez vous rapprocher de l'école d'architecture qui est la plus proche de chez vous. Néanmoins, vous allez voir aussi qu'elles ont toutes une offre pédagogique un peu singulière. Donc, en fonction de vos sensibilités, vous pouvez aussi vous diriger vers une école d'architecture qui correspond un peu mieux à vos aspirations. On a vu dans la diapo précédente que voilà, les enseignements sont divers et variés, et les écoles d'architecture peuvent offrir en fait des enseignements colorés d'une certaine manière, avec des particularités liées à l'offre pédagogique de chacune des écoles. Donc on pourra répondre à vos questions à ce niveau-là sur les particularités de chacune des écoles. On ne les connaît pas toutes parfaitement, mais on peut vous donner des exemples d'offres peut-être un peu particulières selon les écoles. Alors, les études sont organisées en 2 cycles, un niveau licence qui est un premier diplôme qui confère le grade de licence, et où ce premier diplôme donne accès aux fondamentaux, on va dire, de l'architecture, avec une initiation à un certain nombre de choses, en particulier au projet architectural et urbain, mais aussi à des aspects techniques, à des aspects sociaux de l'architecture qui sont enseignés pendant ces 3 premières années de licence. Ce diplôme donne accès à l'entrée en master d'architecture. Ce master, vous pouvez le faire
vous pouvez le faire dans une autre école d'architecture que celui de l'école d'architecture où vous avez fait le diplôme de licence. Et ça vous donne, ça vous ouvre le niveau de master. Alors après, donc ce grade de master est équivalent à ce qu'on appelle le diplôme d'architecte diplômé d'État. Néanmoins, ce diplôme ne peut pas vous donner accès à l'inscription à l'ordre pour ceux qui veulent exercer ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre en nom propre et s'inscrire à l'ordre des architectes. Il faut faire une année supplémentaire pour obtenir une habilitation spécifique qui permet de monter son entreprise et de s'inscrire à l'ordre des architectes. Donc, ça s'appelle l'HMONP, hein, c'est la petite case que vous avez en bas à gauche. Vous avez d'autres diplômes de troisième cycle ou post-master qui vous permettent, par exemple, d'approfondir un domaine en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, c'est des diplômes qui permettent de se spécialiser, de se former, par exemple, au projet urbain, à la maîtrise d'ouvrage, voilà, ces notions que vous pourrez découvrir en suivant le MOOC. Et puis, vous avez la possibilité de faire un troisième cycle doctorat. Voilà, pour ceux qui ont une sensibilité pour la recherche, il y a aussi un doctorat en architecture qui permet d'accéder aux professions liées à l'enseignement et à la recherche. Voilà, la recherche en agence d'architecture se développe aussi, donc on a un certain nombre de milieux en fait de recherche et développement où le doctorat est parfois intéressant. Vous avez en parallèle, vous avez vu hein, sur la colonne de droite, l'indication de bicursus. Alors certaines écoles offrent la possibilité de mener des bicursus, architecte-ingénieur, ingénieur-architecte, architecte manager, donc ça c'est à Nantes, architecte urbaniste. Donc voilà, pour certaines écoles, il y a ces options de bicursus qui nécessitent un temps supplémentaire. Hein, c'est que en fait vous allez obtenir un double diplôme, donc du coup ça nécessite parfois 2 ans de plus que le temps du master. Vous avez aussi indiqué entre le master 1 et le master 2, hein, sur la colonne de gauche, une année de césure. Très souvent, les étudiants en architecture, comme ce sont des études professionnalisantes, prennent le temps d'une année pour aller voyager, faire un stage. Voilà. Donc, l'année de césure n'est pas obligatoire, mais est très utilisée et assez souvent utilisée pour compléter la formation, souvent par une expérience professionnelle ou un engagement associatif. Voilà. Alors, sur les natures d'enseignement, sur les contenus, hein, on a vu la diversité tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez des formats pédagogiques très divers en école d'architecture, avec des enseignements en atelier, des enseignements de séminaire, voilà, des enseignements très avec des travaux dirigés, orientés vers la pratique, et puis des cours magistraux. Donc, voilà, vous avez des formats très, très différents, et puis avec une diversité de contenus qui sont abordés. Alors, pour finir, une petite diapo pour vous donner un premier aperçu hein, de choses qu'on développe dans le MOOC. Les métiers de l'architecture sont très divers et la formation des architectes, vous l'avez vu, compris, hein, est liée à un certain nombre de disciplines diverses et variées. On parle de formation interdisciplinaire et ça mène du coup avec la possibilité d'approfondir en master, par exemple, un domaine d'études vers des métiers comme architecte paysagiste, architecte urbaniste ou encore du côté de la scénographie, hein, architecte scénographe quand on est passionné, par exemple, par le théâtre ou par les expositions. Voilà, architecte designer ou des gens qui vont plus vers le numérique. Hein, on a des spécialités aujourd'hui qui se sont développées en lien avec la représentation 3D, par exemple. Et puis, voilà, des métiers du patrimoine, de l'humanitaire, donc le profil d'architecte, d'ingénieur que j'ai déjà évoqué à partir des bicursus. Puis aussi des architectes qui vont accompagner les collectivités dans leurs projets. Donc, c'est ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou encore d'autres profils comme les architectes programmistes
qui vont faire le programme avant l'intervention en fait de l'architecte concepteur qui lui va dessiner le projet. Donc on a des profils diverses et variés qui appellent des compétences diverses aussi, hein, qu'ils soient plutôt techniques, plutôt en lien avec des enjeux de création, de représentation, ou alors des aspects plus sociaux hein, du métier avec des enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Hein, voilà. Donc vous avez des caractéristiques et puis aussi aujourd'hui avec le contexte qui est le nôtre de crise environnementale, des gens qui vont se spécialiser par exemple dans les questions écologiques, environnementales ou d'implication des habitants dans les projets. Voilà, donc vous avez des domaines d'activité comme la réhabilitation aujourd'hui qui sont autour desquels il y a des enjeux importants puisqu'il s'agit de convertir et souvent de transformer les bâtiments à l'heure de la transition écologique avec des enjeux d'économie d'énergie, etc. Donc voilà pour un aperçu très rapide hein, de la diversité. Il y en a d'autres, bien sûr, des métiers de l'architecture. Donc maintenant, on vous écoute, on prend vos questions et puis on répond aux questions qui sont les vôtres. Alors, d'abord pour commencer, il y a Christophe qui voudrait savoir si on parle également d'architecte d'intérieur. Alors oui, c'est vrai qu'on voit dans le chat passer pas mal de questions sur le rapport entre les architectes et les architectes d'intérieur. Alors il faut savoir que ce sont deux filières différentes, que d'ailleurs les architectes d'intérieur s'appellent maintenant de plus en plus des designers d'espace, et que c'est une formation généralement plus courte qui est diffusée dans les DNMADE, hein, les anciens BTS, qui sont devenus maintenant des DNMADE. Alors il y a une sorte d'effet de poupée russe un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'un architecte peut faire de l'architecture d'intérieur, mais un architecte d'intérieur ne peut pas faire d'architecture dans la mesure où son projet atteindrait les structures en fait, hein, du bâtiment, c'est-à-dire concernerait la construction, les murs, les éléments porteurs du bâtiment, et un architecte d'intérieur ne peut pas faire du projet urbain. Donc il faut vraiment que vous déterminiez très vite sur l'échelle et la nature des projets qui vous intéressent pour choisir l'une de ces deux filières. Elles sont finalement assez différentes. La seule chose qu'on puisse en dire, c'est qu'il y a une passerelle à Bac+3 en études de design d'espace. Il y a la possibilité de demander des équivalences pour intégrer les écoles d'architecture, équivalences qui sont délivrées au cas par cas en fonction des dossiers que vous pouvez produire. Alors ensuite, on a une question d'Hélène qui demande: est-il possible de suivre ses études à distance? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'école d'architecture qui offre cette possibilité. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, les écoles d'architecture, comme les universités, hein, se sont mises à l'enseignement à distance, mais donc on a encore pas mal d'offres pédagogiques d'enseignement à distance, mais c'est intégré au cursus normal qui est très lié à aussi des exercices en présentiel. Donc on a beaucoup d'exercices en atelier de projet par exemple. On a vu avec la crise sanitaire qu'il était très très compliqué d'enseigner l'architecture à distance. Hein, donc, a priori, à ma connaissance, ça n'existe pas. Non, et peut-être on peut compléter aussi les formats d'enseignement dont on parlait tout à l'heure en disant que les visites de sites sont quand même assez présentes dans différents types d'enseignement. On a besoin d'aller sur le site dans lequel le projet va se développer, et donc le distanciel n'est pas possible dans ces cas-là. Il y a Colline qui demande si le bac ST2A peut mener à une école d'architecture. Oui, toutes les catégories de bac mènent aux études d'architecture. On a souvent cette question hein, de savoir s'il faut être bon en maths, pour accéder aux écoles d'architecture. Et la réponse est qu'en fait, l'expérience qu'on en a, c'est que tous les types de bacs sont tout à fait adaptés aux études d'architecture, et que c'est plutôt la curiosité en fait des candidats qui va primer dans Parcoursup, et leur ouverture au monde, leur capacité à
à comprendre ce qui se passe, à avoir un diagnostic sur la situation dans laquelle ils interviennent et à pouvoir mobiliser à la fois de la technicité, mais aussi de la compréhension des mécanismes sociaux, d'avoir la capacité de s'exprimer, ce qui suppose aussi d'avoir une certaine compétence littéraire, une capacité de s'exprimer aussi par le dessin. Voilà, c'est très complet, l'architecture, et du coup, chacun mobilise les compétences qu'il a. Pour compléter, je propose que vous vous renseigniez aussi sur les écoles d'architecture dans lesquelles vous souhaiteriez candidater, parce que chaque école d'architecture organise sa sélection avec ses propres critères, et certaines écoles vont recruter des profils peut-être plus scientifiques, d'autres des profils peut-être plus sociaux ou plus techniques. En fait, voilà, en fonction des identités d'école, et pour vous donner l'exemple de l'école d'architecture de Paris-Lavillette, comme on a un bicursus architecte-ingénieur, on a déjà beaucoup de profils scientifiques de gens qui se dirigent vers, puisque ces études-là, par contre, nécessitent des études assez solides dans le champ scientifique. Et donc, du coup, dans la filière architecture, on va dire normale, on recrute plutôt les autres filières. Donc, en fonction des écoles d'architecture, j'ai vu qu'il y avait une question sur Bordeaux, par exemple. Et là, je sais qu'à Bordeaux, traditionnellement, on recrute plutôt des profils bac S, enfin voilà, des bacs scientifiques, peut-être physique, chimie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur les écoles d'architecture, leur réputation particulière par rapport au choix, et surtout, essayez de candidater dans 2-3 écoles pour, peut-être que ça offre une plus de possibilités de au moins décrocher un oral. Hein. En fait, il y a 2 temps dans la sélection. Il y a un premier temps du dossier. Et donc là, effectivement, il y a souvent les écoles ont des quotas en fonction des filières pour diversifier les profils des candidats. Et puis après, il y a souvent un oral derrière, une rencontre avec des enseignants pour échanger sur divers sujets pour aller au bout du processus de sélection. Quelles sont les études à faire pour devenir architecte de l'humanitaire ? Y a-t-il des écoles qui proposent un parcours particulier pour le devenir ? Oui, je crois, Véronique, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'à Belleville, hein, on a un diplôme de spécialisation, donc post-master, qui permet d'aller vers les métiers de l'humanitaire. Oui, qui est en fait orienté sur les risques majeurs, et du coup qui amène les étudiants à comprendre l'activité spécifique qu'il y a pour un architecte dans des zones de catastrophes naturelles, en fait, ou de guerre. Bonjour, quel enseignement de spécialité au lycée est-il souhaitable de prendre ? Alors, comme on le disait tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de spécialité. En revanche, ce qu'on peut peut-être vous conseiller par rapport à la préparation, hein, l'entrée en école d'architecture, c'est déjà de vous renseigner un petit peu. Alors, le MOOC est une très, très bonne préparation, bien sûr, à la candidature en école d'architecture, puis ça vous permet de mieux vous positionner, d'exprimer vos sensibilités. Ce qu'on attend, c'est ça, hein, dans les entretiens que les enseignants font avec les candidats, c'est de voir quelles sont déjà les sensibilités des étudiants, leur ouverture au monde. Et donc, l'idéal, c'est de se renseigner, de voir en quoi vous avez des affinités avec l'architecture. Et puis, peut-être aussi, si vous avez envie de commencer à tester votre capacité à observer, etc., peut-être vous inscrire à un cours de dessin. Enfin, commencer à toucher à des éléments qui vous seront utiles, en fait, après, pour les études en architecture. Mais il n'y a pas de bonne filière à proprement parler. Oui, vous avez vu à quel point les études d'architecture sont pluridisciplinaires. Donc, quelqu'un qui est bon en maths aura à faire peut-être des efforts en expression plastique. Chacun a ses points forts et ses points moins forts. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment du recrutement des candidats aux écoles d'architecture par Parcoursup, on ne leur demande pas d'avoir des compétences en architecture. Hein, on est là pour les former. Donc, n'importe quel bachelier motivé et qui a des bonnes capacités
travail. Ça, quand même, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Ce sont des études exigeantes en temps, en assiduité. Voilà, il faut savoir gérer beaucoup de choses, une assez grosse masse de travail. Donc ça, c'est sûr qu'on essaiera de tester ça, je pense, hein, dans les entretiens que vous aurez avec les enseignants. Mais sinon, en termes d'orientation disciplinaire, à part effectivement certaines écoles qui s'orientent réellement sur des profils plutôt scientifiques, mais sinon, de manière générale, toutes les orientations sont équivalentes, en fait, hein, pour rentrer dans les écoles d'architecture. Alors, auriez-vous une idée de l'école la plus spécialisée dans le domaine de l'éco-village ? Non, il n'y en a pas. Enfin, je ne pense pas. Hein. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. On a quand même vu, hein, il s'agit d'un cursus en 5 ans d'études. Donc, au cours des 5 ans, les étudiants vont être amenés à travailler sur des projets très, très diversifiés. L'éco-village en fera peut-être partie, peut-être pas. Voilà, les questions environnementales qui sont sous-jacentes à la question de l'éco-village, les questions de participation des habitants seront présentes dans d'autres enseignements éventuellement. Il n'y a pas une spécialisation à ce point-là. Hein. On ne construit pas tant que ça d'éco-villages pour que ça justifie de former des architectes spécialistes de cette manière d'agir. Peut-être que pour ceux qui auraient des sensibilités pour le milieu rural, on peut vous conseiller de prendre contact avec des écoles d'architecture comme celle de Clermont-Ferrand, qui sont très, très sensibles en fait à cette question de la ruralité. Après, voilà… L'ancrage territorial d'une école d'architecture peut compter aussi dans ses options pédagogiques. Voilà. Donc, si c'est la ruralité, une école d'architecture très, très proche du milieu rural peut offrir une offre, des réflexions plus en lien avec son territoire. Peut-on mener une activité professionnelle et suivre des cours ? Y a-t-il des parcours adaptés aux personnes en reconversion qui ne peuvent pas stopper leur activité actuelle, mais souhaitent se reconvertir avec ce type de métier ? Oui. Alors, effectivement, on a souvent des questions dans ce MOOC sur la manière d'utiliser l'architecture comme une voie de reconversion. Alors déjà, il faut savoir que selon le niveau d'études des personnes qui souhaitent se reconvertir, il peut y avoir des équivalences d'années entières dans le cursus d'architecture. Donc, ça peut déjà être une information à demander en se rapprochant des services pédagogiques, de savoir à quelles équivalences le parcours dont on peut faire la preuve donne droit. Et par la suite, effectivement, il y a des aménagements. Je crois que dans chaque école, il y a des aménagements qui sont possibles, mais qui se négocient plutôt au cas par cas pour pouvoir mener une activité professionnelle à côté. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle dans le MOOC, on y fait allusion, ce qu'on appelle des formations diplômantes. Donc, ce sont des formations qui sont spécifiquement adressées à des personnes qui travaillent déjà dans le milieu du BTP, dans d'autres fonctions que celles d'architecte et qui souhaitent devenir architecte et avoir ce diplôme. Donc, il y a un certain nombre d'écoles qui permettent à des personnes qui sont déjà actives dans ce domaine d'acquérir le diplôme d'architecte, avec des cours du soir, voilà, avec des cursus qui sont tout à fait particulièrement adaptés. Y a-t-il une passerelle entre technicien bureau d'études ossature bois et architecture ? Je pense que c'est ce que vient d'évoquer en fait Véronique à travers la formation diplômante, c'est-à-dire que pour des personnes ayant déjà une activité dans le milieu, on va dire, hein, de la construction des professions proches de l'architecte, il y a la possibilité de prendre attache avec des écoles d'architecture qui offrent ces formations diplômantes. Je pense, en fait, pour élargir la réponse, parce que je vois que dans le chat, c'est des questions qui reviennent souvent, des questions qui sont très individuelles comme ça, qui sont liées à des parcours qui ne sont pas le parcours qu'on a présenté dans notre schéma avec le bac, la licence et le master. Je pense que toutes ces personnes doivent se rapprocher de l'école qu'elles souhaitent intégrer pour aller voir, en fait, quel sort leur serait fait, quelles équivalences on peut leur accorder, quel aménagement d'études. Voilà. C'est difficile pour nous de répondre de manière générique parce que chaque école le fera à sa manière, et donc il faut vraiment aller parler en fait avec la responsable des études
le ou la responsable des études. Toutes les écoles ont un site web dans lequel on voit l'organigramme administratif, et donc ça devrait être assez simple en fait de contacter la personne adéquate pour parler de son cas personnel. Alors, existe-t-il des écoles préparatoires aux études d'architecture? Oui, ça existe. Vous avez quelques écoles préparatoires. Il me semble que sur le site de l'ONICEP, je ne sais plus trop, Véronique, hein, mais il y a un endroit où elles sont éventuellement ces préparations sont présentées. Oui, sur n'importe quel moteur de recherche aussi. Si vous faites préparation architecture, vous trouverez ces filières, ces formations, qui sont en général des formations privées, payantes. Des payantes. Voilà. Et dans lequel c'est vraiment la préparation au concours pratiquement hein, qui est mise en avant. Donc c'est une sorte de peut-être bachotage, c'est peut-être un peu péjoratif de le dire comme ça, mais une préparation rapide et un peu formatée pour peut-être avoir davantage de chances d'être retenue dans les candidatures. Personnellement, je ne connais pas le taux de réussite de ces formations. Voilà, on vous rappelle que le MOOC est lui gratuit. Voilà. J'ai vu qu'un master ville et environnement urbain existait à Nantes. Pensez-vous que l'on peut devenir architecte urbaniste grâce à cela? Alors non, hein, les masters, alors sauf si c'est un master d'école d'architecture, bien sûr, et qui est le master qui permet d'accéder au diplôme d'état d'architecte. Mais voilà, les seules formations qui permettent hein, à se former à l'architecture et au métier d'architecte, ce sont les formations dispensées par les écoles d'architecture. Hein, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, l'école spéciale d'architecture et l'INSA de Strasbourg. Certains diplômes de l'étranger d'architecte sont-ils acceptés en France? Oui, bien sûr. Alors, au sein de l'Union européenne, il y a une équivalence des diplômes hein, qui a été mise en place avec le système LMD, hein, justement, pour permettre aux étudiants de circuler au cours de leurs études et aux professionnels d'avoir une équivalence de diplôme. Il faut savoir, en fonction du pays dont on vient, quelle est l'acceptation, en fait, par la France des diplômes étrangers. Quelquefois, il peut y avoir pour des pays donc hors Union européenne, il peut y avoir une année supplémentaire ou plusieurs d'études pour obtenir le diplôme d'architecte français avec cette équivalence. En fait, encore, comme je le disais tout à l'heure, c'est des situations personnelles, individuelles, et donc il faut prendre des renseignements individuellement dans les écoles d'architecture pour savoir comment le diplôme sera validé dans les écoles d'architecture ou auprès du Conseil national de l'ordre des architectes hein, qui a aussi une liste des pays dans lesquels les diplômes sont équivalents. Alors, c'est peut-être hors sujet, mais on a une question. Pouvez-vous nous parler plus du diplôme national des métiers d'art et du design? C'est hors sujet, en effet. Donc, ce sont d'autres filières hein, que celles des écoles d'architecture, et je pense qu'il vaut mieux dans ce cas se renseigner autrement. Je ne sais pas s'il y a un MOOC sur les DNMA, mais voilà, ce sont d'autres filières. Et ça ne conduit pas au diplôme d'architecte. Est-ce que vous avez un site à proposer qui rassemble toutes les écoles qui proposent ces formations en architecture? Qui rassemble toutes les écoles? Oui, ça va être difficile de... Il me semble que le ministère de la Culture a une page hein, et il me semble qu'on on met ce lien dans la documentation du MOOC. Il y a ces liens hein, vers la page du ministère de la Culture. Donc, les écoles d'architecture sont sous la tutelle du ministère de la Culture et c'est le ministère de la Culture qui organise en quelque sorte les études en architecture. Et donc, vous avez sur le site du ministère de la Culture une page qui présente toutes les écoles. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les bicursus. Il me semble que de mémoire, voilà, les bicursus sont présentés également. Voilà, vous avez ces informations qui sont rassemblées sur… voilà, je vois qu'il y a le lien. Très bien. Quelle est la fourchette de salaire d'un architecte?
Alors ça, c'est très, très difficile. On l'aborde un petit peu dans le MOOC. Il faut que la personne aille consulter le MOOC et qu'elle consulte éventuellement aussi les statistiques qui paraissent tous les ans l'organisme d'études dont le nom vient de m'échapper. Vous trouverez sur Internet des barèmes, en fait, ou des grilles de salaire. En fait, ces salaires dépendent énormément de l'ancienneté que vous avez. Bien sûr, avec l'expérience, les salaires augmentent. Ils augmentent aussi avec le niveau de responsabilité que vous assurez dans la structure, et puis ils sont évidemment très variables selon les fonctions que vous assumez. Hein. Si vous êtes en libéral, si vous êtes salarié d'une collectivité locale, si vous êtes salarié d'un organisme HLM, si vous êtes dans un bureau d'études, voilà, toutes ces conditions font que la fourchette de salaire est extrêmement ouverte. Et dans le MOOC, on a interrogé hein, les architectes, des enseignants en école d'architecture qui disent souvent que voilà, l'architecture, ça ne permet pas de devenir riche, que c'est un métier passionnant, mais il y a d'autres professions beaucoup plus lucratives que celle-ci. Mais après, c'est vrai qu'il y a une progressivité, hein, comme dans toute profession, en début de carrière et fin de carrière, on n'a pas les mêmes revenus. Mais voilà, c'est un métier, les témoignages reviennent sur cette idée que c'est un métier de passion. Ma fille qui est en troisième veut être architecte. Combien d'années d'études préconisez-vous après le bac? C'est pas qu'on les préconise, c'est effectivement ce qui est prévu par le schéma des études qu'on a vu tout à l'heure sur la diapo. Hein. Donc il y a 3 années de licence, 2 années de master, qui se font quelquefois un petit peu plus. Hein. On a parlé d'une année de césure. Il peut y avoir des périodes dans lesquelles l'étudiant est plutôt occupé sur des stages, sur des expériences professionnelles. Donc c'est 5 ans minimum. Quel est l'impact du numérique sur le métier d'architecte? Alors, vous regarderez, la personne qui pose la question regardera la vidéo qui est consacrée spécifiquement à cet aspect-là. Le numérique est de plus en plus prégnant dans la représentation des projets. Hein. On a de plus en plus de logiciels, on utilise de plus en plus de logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur. Et ces dernières années apparaît un autre outil numérique très important qui s'appelle le BIM. Pardon. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils pratiqué, qui est en fait une sorte de maquette numérique dans laquelle on associe en fait aux plans, aux coupes et aux élévations traditionnelles beaucoup, beaucoup d'informations sur les éléments, les matériaux, les caractéristiques en fait de ce qui fait le projet. Donc c'est effectivement très important, sans parler des open data, big data, qui en fait nous amène aussi des éléments de diagnostic qu'on n'avait pas jusqu'à ces dernières années. Pardon. Quel est l'emploi du temps moyen d'un étudiant en architecture? Cela prend-il trop de place dans le quotidien et est-ce trop fatigant? C'est une très très bonne question. Effectivement, les témoignages des étudiants en architecture sont assez nombreux là-dessus. C'est des étudiantes des études très prenantes. Et vous avez des moments de très intense en fait. C'est pour ça qu'on insistait tout à l'heure sur la charge de travail. Malheureusement, ce sont des études très fatigantes, très prenantes, qui nécessitent surtout de bien s'organiser. Voilà. Après, certains étudiants disent que c'est surtout que il faut être très 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 discipliné, très organisé. C'est des études comme les études d'autres études, hein, les études d'ingénieur. C'est des études qui nécessitent un investissement très très important. Oui, on peut ajouter qu'il y a une dimension collective assez importante dans les études d'architecture. Il y a beaucoup de travaux qu'on demande aux étudiants en groupe. Donc, il y a aussi la capacité à travailler avec d'autres, à s'organiser avec d'autres, qui est importante dans toute la durée des études. Les écoles d'architecture sont-elles payantes ? Non, pas les écoles publiques. L'inscription dans une école d'architecture est du même montant à peu près que l'université. C'est juste le minimum en fait pour contribuer à des études qui sont largement financées par le public. Enfin, qui sont financées par le public. Est-ce possible de candidater dans une école nationale supérieure des arts si on a suivi un an au préalable de licence? Oui, bien sûr.
Donc, vous pouvez, je vois qu'il y a aussi des questions sur qu'est-ce qu'on recommande aux personnes qui auraient été, qui n'auraient pas été retenues cette année pour une candidature Parcoursup. Bien sûr qu'un an de licence peut aider à entrer dans une école d'architecture, notamment si cette licence est en lien quand même à peu près avec les études d'architecture. Donc, soit elle se développe en géographie, en sciences humaines, en ingénierie, en histoire de l'art. Voilà, il faut rester quand même peut-être dans ce domaine pour avoir la meilleure utilisation possible des acquis qu'on a pu avoir en licence. Mais oui, bien sûr. Les oraux des écoles d'archi sont-ils le même jour? Comment faire si on candidate à plusieurs écoles en même temps? Alors, les services de la scolarité hein, dans les écoles d'architecture qui organisent les oraux, effectivement, ça peut tomber au même moment. Il me semble qu'il y a plusieurs écoles d'architecture qui offrent qui font ces moments au même moment. Mais vous pouvez préciser auprès des services de la scolarité que vous avez d'autres oraux pour que les horaires de passage en fait puissent tomber à des moments différents et vous permettre d'assister, de vous présenter dans plusieurs écoles. Néanmoins, s'il y a une école à Rennes, une école à Bordeaux et une à Nantes, ça risque d'être compliqué d'être dans les trois écoles au même moment. Donc, mais il ne faut surtout pas hésiter à contacter les services de la scolarité pour organiser ces moments-là. Quel autre choix préconisez-vous en cas de refus ENSA par Parcoursup? Oui, alors c'est ce qu'on a déjà commencé à dire tout à l'heure. C'est possible d'aller faire une première année de licence dans une de ces formations un peu connexes aux études d'architecture et comme ça commencer un peu à avancer sur des compétences dont on aura l'usage en fait dans les études d'architecture. Ça se fait fréquemment. On a souvent des candidats qui reviennent après une première année d'études universitaires et ça n'a fait que les enrichir, leur permettre de mûrir, leur permettre aussi d'ouvrir un peu leur curiosité à la question de la ville, à la question du bâtiment, du logement, de l'habitat. Donc c'est plutôt un plus. On a beaucoup de personnes qui viennent des filières justement du design d'espace, qui font un premier diplôme en design d'espace et puis qui viennent continuer leurs études, qui bénéficient d'équivalence en fait dans la licence et puis qui peuvent continuer les études en architecture après. Alors, on a Karl qui nous demande si la candidature sur Parcoursup est payante. Non. En fait, les écoles d'architecture sont dans le même système que les universités françaises, donc il n'y a pas de frais au moment de la candidature. Il y a Romane qui nous demande si j'ai bien compris, les ENSA prennent plus sur la détermination de l'élève que sur les notes. Oui, c'est assez vrai. Alors jusqu'à un certain point, hein, puisqu'on a insisté à plusieurs reprises sur le fait que c'était des études exigeantes. Donc effectivement, il faut avoir montré auparavant sa capacité à s'organiser et à être performant quand même dans un certain nombre de matières. Mais c'est vrai que dans les entretiens que les différentes écoles proposent, c'est vraiment ça qui est au centre de l'échange entre le candidat et les enseignants, c'est de mesurer si l'étudiant où le futur étudiant connaît bien le domaine dans lequel il veut intervenir et s'il a déjà développé une position critique, une réflexion, une petite culture sur les endroits dans lesquels il vit, simplement en les observant, en essayant de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est le type de questions que vous pouvez avoir à l'oral, hein, qui vont vous permettre de montrer votre sensibilité et votre esprit critique par rapport aux espaces dans lesquels vous vivez ou éventuellement les objets d'architecture, les quartiers, les bâtiments, les villes que vous avez pu connaître dans vos voyages, dans vos déplacements. Mais voilà, c'est vraiment effectivement une question de curiosité qui va être testée et de motivation. Pardon, excusez-moi. Juste, je vois qu'il y a des personnes qui disent que voilà, on leur a demandé 34 euros hein, ou 37 euros
Voilà, moi je ne savais pas que les écoles d'architecture demandaient un paiement. Est-ce que vous êtes sûr que ce sont les écoles d'architecture qui demandent un paiement pour la candidature ou c'est simplement l'usage de Parcoursup d'avoir des frais voilà. Moi, j'avoue que je n'étais pas au courant de ces frais sur Parcoursup. Alors, voilà, est-ce que c'est lié à des écoles particulières? Ça, je ne saurais pas vous dire. Excusez-moi, j'ai coupé. Le diplôme d'architecture est-il reconnu à l'échelle internationale? Oui, alors on a déjà répondu à cette question. En tout cas, à l'échelle européenne, donc les diplômes d'architecture sont équivalents les uns aux autres. Et à l'international, c'est un peu la même question que celle qu'on avait tout à l'heure, hein, de quelqu'un qui arriverait avec un diplôme étranger. À l'international, il faut s'adresser, donc si on est architecte diplômé en France, il faut s'adresser à l'organisme qui représente la profession pour s'assurer de l'équivalence de son diplôme et sinon éventuellement faire une année d'études supplémentaires. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas parce que ce sont des accords bilatéraux. Chaque pays a des accords avec l'ensemble des autres et ils sont différents d'un pays à l'autre. Auriez-vous des informations sur l'UNSA de Nancy? Cette école semble à l'écart, donc je n'arrive pas trop à savoir si c'est une bonne école. Alors, bon, nous, on ne va pas porter de jugement sur les écoles. Hein. Les écoles d'architecture sont a priori toutes d'un bon niveau, hein, c'est-à-dire qu'elles offrent un diplôme national, hein, qui est reconnu nationalement et qui a ses équivalences à l'international. Donc, voilà, il n'y a pas de particularité à ce niveau-là au sein des écoles d'architecture. Néanmoins, voilà, c'est une école d'architecture qui est dans le Grand Est, qui est proche de certaines frontières et qui a des liens culturels aussi avec d'autres, voilà, d'autres territoires, voilà, qui a peut-être aussi une dimension internationale. Voilà, enfin, là encore une fois, allez voir les sites internet des écoles d'architecture pour voir quelles sont leurs particularités et l'offre pédagogique qui les distingue des autres. Connaissez-vous les taux de réussite des bacheliers après 5 ans dans les différentes écoles? Alors ça, il y a peut-être des statistiques qui existent. Élise? Ce qu'on sait, c'est que donc le taux de réussite est globalement plutôt bon. On a eu simplement un taux d'échec très important avec la crise sanitaire. Je pense comme à l'université, les difficultés pour suivre les enseignements à distance, pour rester intégré d'une certaine manière aux dynamiques pédagogiques, a été très très compliqué. Donc ces dernières années, on a eu un taux d'échec plus important. Voilà, on espère qu'avec le retour en présentiel, voilà, les étudiants vont se retrouver un peu moins en difficulté et être intégrés un peu plus dans des dynamiques de groupe qui leur permettent de progresser plus sereinement dans les études. L'alternance en école d'archi est-elle possible? Oui, alors à notre connaissance, il y a deux écoles qui, à titre expérimental, ont commencé à mettre en place des formations en alternance. En tout cas, il y a celle en Ile-de-France, hein. Il y a celle de Paris-Est, Marne-la-Vallée, et il y a celle de Paris-Val-de-Seine. Donc, il faut se renseigner si on veut suivre des études en alternance dans ces deux écoles, dans ces deux établissements, et voir quelles sont les conditions requises. Je me rappelle d'une discussion avec la directrice de l'école de Paris-Est, disant que c'était aussi finalement des formations très, très exigeantes, hein, puisque en alternance, donc avec un temps pris par l'expérience professionnelle, on doit quand même suivre le même niveau d'enseignement théorique et produire les mêmes travaux, les mêmes dossiers. Donc c'est un rythme très 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 dense, hein, mais c'est possible, ça existe. Alors, peut-on commencer par un BTS DUT dessinateur projeteur et intégrer ensuite une école d'archi? Oui, en fait, vous pouvez commencer par des diplômes de diverses spécialités, même en géographie ou voilà, et candidater ensuite en école d'architecture. Vous aurez peut-être
quelques équivalences, mais il n'y aura pas d'équivalence si vous avez une licence, par exemple, en géographie, ça ne vous donne pas accès au master en architecture. Hein, donc, il y a quelques équivalences qui vous permettent d'avoir moins d'enseignement peut-être sur la licence, mais on va vous demander de compléter votre formation par des exercices spécifiques à l'architecture pour obtenir le diplôme de licence. Voilà. Lorsque nous faisons un master spécialisé, par exemple le master design, est-ce que c'est un master à part entière ou bien nous obtenons tout de même le DEA? Alors, attention, parce que vous avez le master en architecture. Dans le cas du master en architecture, vous pouvez avoir des options en design et du coup, vous avez un master d'architecture et donc le diplôme d'état d'architecte à l'issue de votre formation. Mais si vous faites une autre formation que le master en architecture et que c'est un master en design, par exemple, ça ne vous donne pas l'équivalence du diplôme d'architecte. Donc là, c'est pareil, il faut faire des demandes d'équivalence pour pouvoir réintégrer la formation d'architecte et obtenir un diplôme d'architecte. Une autre façon de le dire, c'est qu'il n'y a que les écoles d'architecture qui délivrent le diplôme d'architecte. Peut-être une dernière question. Y a-t-il des parcours avec des échanges internationaux dans les écoles d'archi? Oui, alors là, bien sûr. Bien sûr qu'il y a le système Erasmus, comme il est dans l'enseignement supérieur de manière générale, et que beaucoup d'écoles ont un grand nombre de partenariats avec des écoles d'architecture à l'étranger, ce qui permet effectivement aux étudiants de faire un Erasmus à l'étranger, ce qui permet aussi d'avoir des échanges d'autres formes, de faire des voyages d'études. Il y a bien sûr un accent très fortement mis sur les expériences à l'étranger pour enrichir la pratique et l'expérience en France. Alors, est-ce qu'on prend encore une toute dernière question, Nancy? Oui, peut-être. Est-ce qu'un candidat venant d'un lycée moins bon aurait-il plus de chances d'intégrer une ENSA qu'un candidat venant d'un meilleur lycée? À notre connaissance, je ne crois pas que le niveau du lycée soit pris en compte dans l'étude des dossiers. Dans l'étude des dossiers des élèves, ce qui est regardé, c'est le niveau global de l'élève, sa capacité de travail, les appréciations des professeurs, les appréciations aussi des directeurs d'établissement. Donc, c'est le dossier de l'élève qui est regardé prioritairement, hein, plutôt que le lycée. Alors oui, et peut-être pour compléter la réponse d'Élise, rappelez que dans la fiche qui nous arrive dans Parcoursup, il y a à chaque fois le rang du candidat dans sa classe. Donc ça nous permet de savoir un peu aussi comment, parce qu'effectivement, des établissements notent plus haut ou plus bas, ça dépend des cas, et donc ça nous permet de voir si la personne est plutôt en tête de classe ou au milieu ou plutôt en queue de classe, et ça peut entrer en considération dans l'évaluation qu'on fait du dossier, oui. Mais on n'a pas de connaissance des lycées. Voilà, à la personne qui pose cette question, il faudrait qu'on réponde qu'on a des candidatures qui viennent de la France entière et de l'étranger. Donc évidemment, on n'a pas un palmarès des lycées sous les yeux pour savoir quelles sont les réputations. Et de toute façon, voilà, ce qui est intéressant, ce n'est pas la réputation du lycée, c'est la personne qu'on a face à nous et celle-ci seulement. Et en fait, la sélection, on l'a fait pour donner les meilleures chances aux candidats de réussir leurs études d'architecture. Donc, s'assurer à la fois qu'ils ont le niveau qu'il faut, la motivation qu'il leur faut et la capacité de travail qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de déconvenus, ni de leur part, ni de la nôtre. Merci à toutes les deux, Véronique et Élise. Merci aux participants pour toutes ces questions très intéressantes. Alors, si nous n'avons pas répondu à votre question, vous pouvez aller dans le MOOC. Il y a un forum de discussion dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et Élise et Véronique pourront y répondre dans les prochaines semaines. Voilà, alors je vous laisse le mot de la fin.
Il n'y en a pas, sauf peut-être de dire que enfin, nous sommes architectes l'une et l'autre et donc nous avons suivi des études d'architecture et il me semble que de manière assez générale, ce sont des études qui sont assez enthousiasmantes parce qu'elles sont diversifiées, parce qu'elles sont proches du quotidien en fait, proches du manuel aussi. On n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait qu'il y a à la fois des disciplines intellectuelles et du manuel, fabriquer des maquettes, faire du dessin, faire quelquefois des petites constructions à l'échelle à l'échelle 1, comme on dit, donc en vraie grandeur. Donc, de manière générale, vous le verrez dans le MOOC, hein, les étudiants qu'on interview sont en général assez, voilà, assez enthousiastes sur leurs études. Oui, je partage avec Véronique cette appréhension des études, hein, qui est vraiment une expérience passionnante et riche. J'ai vu une question, par exemple, sur le taux d'insertion après les études, et c'est vrai que globalement, le taux d'insertion est bon. Après, les conditions de travail dans les entreprises d'architecture ne sont pas toujours très, très bonnes. Mais voilà, comme on l'a déjà dit, c'est plutôt un métier dans lequel on s'engage par goût, par intérêt, plus que par enjeu de réussite sociale, on peut dire. Hein, c'est oui. Ce qui ressort souvent. Et peut-être un demi-mot de la fin, c'est de dire que ce métier est vraiment en évolution extrêmement importante, qu'il est en ouverture très, très grande. Nos travaux en tant que chercheurs le mettent bien en évidence. Hein, il y a vraiment en ce moment une augmentation des défis que les architectes ont à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce MOOC, hein, pour montrer voilà, la multitude des questions qui se posent aux architectes. Et ça nous semble faire partie de l'enthousiasme en fait, hein, avec lequel on voit des candidats arriver dans les écoles d'architecture. Effectivement, on n'a pas dit qu'on a pratiquement 10 fois plus de candidats que ce qu'on a de postes de place à offrir dans les écoles d'architecture. Donc, on voit bien, hein, cet engouement pour une activité importante, hein, de la société urbaine dans laquelle on vit. Merci beaucoup Élise, merci beaucoup Véronique, merci à toutes et à tous, aux participants, à vos nombreuses questions. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour vous inscrire au MOOC si ce n'est pas déjà fait et on vous dit donc à très bientôt dans le forum de discussion du MOOC sur l'architecture. Oui. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.